Bienvenue à Yoga en progrès. Je suis Mireille Gauvin, professeure de yoga. Je suis ravie d'avoir la chance de vous enseigner le yoga dans l'intimité de votre salon. Alors, je vous rappelle bien que cette demi-heure vous appartient. Profitez-en. Pratiquez selon votre confort et à votre rythme. Et on va s'y mettre. Donc, déroulez vos tapis, mettez-vous à l'aise et respirez profondément parce qu'il y a du yoga en progrès. Alors aujourd'hui, on va voir une séquence de 10 postures qui s'appelle le 10 magique ou le magique 10. C'est 10 postures que vous pouvez pratiquer en séquence. Si vous n'avez pas le temps pour une séquence de 90 minutes, on sait qu'on a des vies qui sont pas mal occupées. Alors c'est pas toujours évident, mais au moins vous pouvez dire que vous avez passé du temps sur votre tapis. Alors chaque mouvement... On va garder le mouvement pendant 10 respirations profondes. C'est une femme qui s'appelle Sharon Gannon qui a inventé cette séquence. C'est elle qui est la propriétaire de Jivamukti, un studio et un style de yoga qui se trouve à New York. J'ai eu le plaisir de pratiquer là l'été passé. Et puis, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec le premier mouvement. C'est tous des mouvements qu'on peut modifier aussi. Alors, c'est vraiment bien. On va commencer en chien tête en bas. Alors, assis sur les genoux. Les mains vers l'avant. Les doigts écartés. Fermement dans le tapis. On se met sur nos orteils. On lève les hanches et on trouve notre chien tête en bas. Alors, serrez-vous de vos abdominaux. Ici, on dit toujours que c'est pas pour tout le monde, ou je vous dis souvent que c'est pas pour tout le monde, les talons sur le tapis. Si c'est votre cas, gênez-vous pas de fléchir les genoux parce que c'est vraiment un dos droit qu'on recherche. On essaie de créer une ligne d'énergie entre les doigts jusqu'aux talons. On a les hanches bien hautes, le cou et les épaules détendues. Respirez ici. Normalement, on resterait ici pendant 10 respirations profondes. Vous pouvez avoir soit les yeux fermés, ça vous aide à concentrer. Sinon, vous regardez entre les genoux ou vous regardez votre nombril, ça dépend de la flexibilité de votre cou. Moi, je regarde la bibitte qui me grimpe sur le pied parce que je suis dehors et c'est fantastique. Le soleil brille. Prochaine inspiration. On va passer à la prochaine pause. Vous pliez les genoux et vous marchez les mains vers les pieds. Alors, les pieds sont à la distance des hanches. Ils sont entre les mains, mais un petit peu derrière les mains. Alors, en inspirant, on regarde vers l'avant. En expirant, on baisse la tête. Alors ici, c'est important de savoir si c'est plus confortable pour vous. Fléchissez les genoux encore. Le confort de votre dos est plus important que l'esthétique de la pose. Vous pouvez garder les mains placées sur le tapis. Vous pouvez toujours prendre les coudes opposés si c'est plus confortable. Faites sûr de distribuer le poids confortablement sur les pieds. Vous ne voulez pas être trop par en avant ou trop par en arrière. Alors, vraiment, trouvez le balance sur vos pieds. Pas de tension dans votre cou, là. Vous pouvez fermer les yeux encore, ça vous aide. Vous pouvez sentir que ça travaille les ischio-jambiers, les cuisses. Ça peut soulager si vous avez un mal de tête. Après 10 grands respires profonds, on va commencer doucement. Remontez. Encore, prenez votre temps, là, vertèbre à vertèbre. Vous n'allez pas être étourdi. La tête, la dernière. On roule les épaules un petit peu. Là, on va passer à la troisième pose. C'est un squat. Je ne sais pas comment dire ça
autrement. Alors, on écarte les jambes. On enlève les mousses. Les orteils sont sortis. Alors, on va mettre les mains ensemble en prière. Et on va doucement descendre vers le tapis. Alors, vraiment, là, on veut les jambes larges. On ne veut pas que les genoux rentrent. On veut les genoux sortis. Alors, pour vous aider avec ça, puis aussi important là, de vraiment essayer de distribuer le poids. Alors, poussez l'extérieur du pied dans le tapis. Placez vos bras à l'intérieur des jambes. Servez-vous des bras pour pousser les jambes pour rester bien droit, le dos bien droit. Et on dégage les épaules surtout. Parce qu'on ne veut pas être arrondi, on veut vraiment avoir des belles respirations profondes. Alors, c'est important de garder la poitrine grande ouverte, les épaules larges. Si ce n'est pas confortable pour vous d'être assis comme ça, gênez-vous pas de placer un bloc, pardon, ou un coussin en dessous des fesses. On serre les mains, on pousse les mains ensemble. Alors, on pousse les mains ensemble, on pousse les bras contre les jambes et ça crée beaucoup de force pour dégager l'énergie. Encore, on restera ici pendant 10 respirations. Important de vous trouver un point de mire. Alors, vous allez vous baisser doucement sur votre tapis, venez vous asseoir. Vous pouvez vous dégourdir les jambes un petit peu, c'est confortable. Alors, on va passer aux deux prochains exercices. C'est des twists. Alors, le premier s'appelle twist tipi. Alors, regardez bien vos jambes. Remarquez où est-ce qu'ils sont placés, vos genoux, en fléchissant les jambes. Placez les pieds où étaient vos genoux. Alors, vous pouvez avoir les pieds écartés, si vous voulez, ou ensemble. L'important ici, c'est de s'asseoir comme il faut, avec le dos bien droit. On prend le bras gauche, on serre les genoux. Avec la main droite, on place le bras droit derrière nous. On va se servir du bras droit vraiment là, pour nous aider à avoir un beau dos droit. Alors, on rentre le bras dans le dos confortablement. En inspirant, regardez vers l'avant. Levez le cœur. En expirant, on fait une torsion vers la droite et on regarde vers la droite. On reste ici pendant 5 respirations profondes. En inspirant, on retrouve notre centre. Cette fois, on peut dégourdir les jambes un petit peu, fléchir les genoux. C'est le bras droit cette fois, autour des genoux. Le bras gauche qui nous aide à avoir un dos bien droit. On inspire. On regarde vers l'avant en expirant. On tourne la tête et les épaules selon notre confort. Vraiment, c'est un dos droit là, qui compte. C'est pas si vous pouvez regarder jusqu'à l'autre bout de la salle. En inspirant, revenez à votre centre. Alors, je vous laisse ici pendant quelques instants et on vous revient après la pause avec le Magic 10 à Yoga en progrès. Bienvenue à Yoga en progrès. Je suis Mireille Gauvin. Quand on s'est laissé, on travaillait notre séquence, les 10 postures magiques ou le Magic 10. Alors, on s'est laissé avec un twist. On va procéder avec un autre twist maintenant. Alors, cette fois, on a les jambes devant nous. Vous allez fléchir le genou droit. Important d'être assis avec un beau dos droit. Le bras gauche vient serrer la jambe droite.
le bras droit derrière nous. Encore, on sort de ce bras droit-là vraiment pour nous aider à avoir un beau dos droit. Alors, on pousse avec le bras droit, les doigts droits derrière nous, font face à l'arrière. On inspire. En expirant, on tourne le corps vers l'épaule. Le pied gauche est fléchi. Les abdominaux sont engagés. On essaie de serrer le genou dans le coude. Avec notre expiration, on retourne à notre centre. On décourtit les jambes un petit peu. On plie la jambe gauche. On place le genou gauche dans le coude droit. Le bras droit gauche derrière nous, voyez-vous, je le fais là-dessus. Pied droit est fléchi. On s'assoit bien droit. Épaules larges. Inspiration. En expirant, on se tourne vers la gauche. Expiration. On se retourne vers le centre. Vous pouvez dégourdir vos jambes. Le prochain exercice, la prochaine pause, ça va être la table. Alors, on va fléchir les genoux, les placer où étaient les pieds sont placés où étaient les genoux. Les genoux sont à la distance des hanches. Et rappelez-vous là, que vos hanches sont probablement plus proche en distance que vous pensez. Là, c'est pas ici les hanches, c'est vraiment ici. Alors, on place les mains derrière nous, les doigts font face vers l'avant, les coudes sont fléchis. Avec une inspiration, on va lever les hanches au plafond. On va garder la tête en ligne avec la colonne vertébrale. Si c'est confortable, vous pouvez laisser la tête tomber. Là, je vous laisse vraiment ça, c'est à votre discrétion. L'important ici, quand vous prenez votre inspiration, c'est de pousser avec les mains et les pieds et non le dos. Alors, les mains, les pieds, les bras et les jambes et non votre dos. Alors, on inspire, on lève les hanches, on s'assure que les genoux sont directement en ligne avec les épaules et que les bras, on a le poignet en dessous du coude, en dessous de l'épaule. Vous pouvez laisser tomber la tête si vous voulez. L'important, c'est de ne pas laisser les fesses tombées, là, on veut vraiment lever les hanches, avoir un dos droit. On serre des cuisses pour ça. Alors, les cuisses, on les tourne vers l'extérieur, si vous pouvez visualiser ça. Alors, quasiment les mollets vers l'intérieur, les cuisses vers l'extérieur. Après 10 respires profonds, descendez doucement vers le tapis. Alors, normalement, on passera à la prochaine pause, mais pour nos intérêts, on va faire une petite pause à l'enfant juste pour se dégourdir un petit peu là, après être en table. Et puis, ça va être une excellente préparation pour la prochaine étape. Alors, on revient s'asseoir sur les talons. Alors, la prochaine étape, ça serait une inversion. Donc, dans cette séquence-là, ça serait un handstand, alors sur les mains. Ça, c'est pas évident pour tout le monde. Alors, vous pouvez faire plusieurs choses à la place du handstand. Si vous voulez faire le handstand, je vous conseille de le faire contre un mur ou d'avoir quelqu'un là pour vous aider, là, pour
ou de tenir les jambes, mais vraiment de faire attention. Moi, je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais je vais vous montrer vos options. Alors, ce qu'on vient de faire, la pose à l'enfant, c'est une option, c'est une inversion. Les hanches sont plus hautes que la tête. Une autre option, c'est l'autre pose à l'enfant, où est-ce qu'on les bras longent le corps et le front touche le tapis. Alors, vous resterez là pendant 10 respirations ou 10 à 15. Une autre option, c'est lapin. Alors, on interlace les doigts derrière nous. Vous avez les doigts, vous pouvez amener les bras parallèles au sol. Interlacez les doigts derrière vous. Serrez les omoplates ensemble. Ouvrez bien le corps, levez le cœur. Et en expirant, amenez le front au tapis. Mais vous continuez là, vous roulez jusque sur le haut de la tête et les bras quittent le corps. Alors, vous pourrez rester là. Position inversée. Une autre option, ça serait le dauphin, qui est une préparation pour le headstand. Alors, on mesure les épaules comme il faut vraiment le mesurer. Ça ne veut pas dire les épaules, ça veut dire plus large que les épaules. Alors, mesurez les épaules en mettant les mains ici. Placez les coudes sur le tapis. Les épaules, c'est les coudes. Vous mesurez vos coudes. Placez les coudes sur le tapis sans bouger les coudes. Alors, ils sont vraiment fermement sur le tapis. Ouvrez les mains simplement. Interlacez les doigts, vous faites un petit panier. Alors, vous allez lever les hanches comme un chien, tête en bas. Ça va être sur les orteils et voilà en dauphin. Alors, la tête balotte, donc vous n'avez pas la tête sur le tapis. Et les hanches sont bien hautes. Encore une posture inversée. On pousse les avant-bras dans le tapis. Si vous voulez en ajouter là aussi pour les abdominaux, vous pouvez toujours amener le corps vers l'avant, là, vous pouvez faire ça quelques fois. Avec votre inspiration, vous remontez. En expirant, vous descendez. Alors, inspiration, expiration. Alors, vous pouvez rester là pendant 10 à 15 respires. En dauphin. Alors, vraiment, là, c'est votre choix. Quelle inversion vous voulez choisir. Ils portent tous les mêmes bénéfices. Sur ce, je vous laisse quelques instants le temps d'une pause et on vous revient à Yoga en progrès. Bienvenue à Yoga en progrès. On procède avec notre Magic 10. Je suis Mireille Gauvin. Alors, quand on s'est laissé, on discutait les inversions. Dans notre Magic 10, on a vu, alors, le chien tête en bas pendant 10 respirations. Une flexion avant. 10 respirations. Deux torsions. Alors, le tipi twist. Et la torsion avec la jambe fléchie et la jambe redressée. On a vu la table. Et finalement, on était rendu aux inversions. Alors, on a vu le lapin, la pose à l'enfant, le dauphin. On va maintenant passer au headstand. Alors, je vais vous montrer comment vous préparer pour ça, si ça vous en dit. Vous pouvez toujours vous servir d'un mur, là, si jamais vous voulez l'essayer. Mais je vous conseille de le faire. Prenez votre temps et faites attention, là, si vous n'êtes pas prêt à ça. Alors, inquiétez-vous pas, ça viendra avec le temps. Alors, on recommence, on mesure les coudes. Alors, vraiment, là, à l'extérieur des coudes pour avoir une bonne base solide. Parce qu'on n'est pas vraiment en train de balancer sur la tête, c'est vraiment comme... on balance sur les avant-bras. Alors, une fois qu'on a bien mesuré les coudes, on est assis sur les talons. On pose les coudes sur le tapis. Sans les bouger, on ouvre les bras. On s'assure qu'ils sont bien dans le tapis. On interlace les doigts, on se fait un petit panier.
On place le haut de la tête dans notre petit panier sur le matelas. Alors, on peut attraper la tête avec les mains. On monte sur les orteils, on marche les pieds vers la figure jusqu'à temps qu'on ne peut plus marcher. Doucement, si vous êtes ici, là, les chances sont bien fortes que vous pouvez monter jusque... Les pieds jusqu'au plafond, au ciel, les orteils. Là, il faut que je trouve mon ballon ici. Vous allez savoir vous servir du bas du dos pour vous trouver votre ballon. Et on reste ici aussi longtemps que c'est confortable. On descend un petit peu plus gracieusement que ça. Mais après, je vous suggère de vous prendre une pause à l'enfant. Si vous avez de la tension dans les épaules, je vous suggère celle-là. Si la tension se trouve dans le bas du dos, je vous conseille de faire celle avec les genoux écartés. Et on revient s'asseoir sur les talons. Je vous conseille de consulter avec un médecin avant de faire des inversions si vous avez la pression haute. Il y a certains problèmes qui vous préventent de faire ces postures-là. Alors, procédez avec caution, mais une fois que vous les faites, vous allez voir que ça vous fait beaucoup de bien. Encore, on en parle souvent, mais ça aide avec les maux de tête, ça aide avec la tension et souvent... si on se réveille de mauvaise humeur, j'ai déjà essayé ça, et on fait une inversion, on renverse notre humeur. Une fois qu'on est debout, on se sent beaucoup mieux et ça change notre perspective. Alors, on va procéder aux dernières postures dans le Magic 10. Debout cette fois, on va faire on va lever notre cœur. Ça s'appelle le chest lift dans la séquence. Alors, les jambes peuvent être ensemble ou écarter un petit peu. On interlace les doigts, je vais mettre de côté, derrière nous. On regarde vers l'avant. En inspirant, on lève le cœur. En expirant, on baisse le menton et on lève les bras. On essaie d'avoir les hanches vers l'avant. Là, on veut pas basculer. On essaie de serrer les omoplates ensemble. Les genoux ne sont pas barrés. On serre des abdominaux. Après la 10e expiration, on baisse les bras. Dégourdit les épaules un petit peu. On va travailler maintenant les côtés. On inspire, interlace les doigts, dégagez les épaules, inspiration, expiration vers la gauche, inspirez, expiration vers la droite, inspirez, expiration vers la gauche, dernière inspiration, expiration vers la droite. On baisse les bras. Et on va procéder avec ce qu'on appelle le spinal roll, où on va rouler la colonne vertébrale. Alors, encore procéder doucement. Prenez votre temps et faites juste le mouvement selon ce que votre dos vous permet de faire. Alors, on interlace les doigts derrière la tête. Les épaules sont, les coudes sont larges. En inspirant, on amène le bassin vers l'avant. Alors, c'est vraiment là, on bouge seulement selon la respiration. On inspire. Encore un peu, flexion arrière, on inspire, flexion arrière, encore avec l'expiration. On revient vers le centre, on rentre les coudes, en expirant, on commence notre descente. Alors, on commence avec le cou, on rentre le ventre, on descend doucement. Prenez votre temps, là, c'est vraiment là, une question de patience.
quand vous êtes rendu aussi loin que vous pouvez, pliez les genoux, placez la poitrine sur les cuisses, ouvrez les coudes, regardez vers l'avant et avec une respiration, montez doucement avec votre inspiration, expirez. Et là, on se retrouve au début, on inspire, on expire pour une petite flexion avant, inspiration. On expire par l'arrière. Une dernière fois, on expire. Et en inspirant, on revient au centre. Les bras longent le corps. Je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi à Yoga en progrès. Je vous espère du progrès dans votre yoga et à bientôt. Namasté.